Yop tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour l'analyse du match entre la France et l'Irlande. Les gars, on va se régaler, on va analyser globalement le match avec les buts refusés, des actions intéressantes, des fautes, on va analyser tout ça. Enfin, je vais vous analyser tout ça. Et puis n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. On est tout de suite parti, let's go. Alors pour commencer, on part sur une action assez tard, déjà 18e minute de jeu. Dembélé va centrer, le ballon va être repoussé et va revenir derrière sur Mbappé, d'ailleurs que j'ai oublié de noter. Comme vous pouvez le voir, le Mbappé, il n'y a pas de nom en dessous de lui. Et puis il y a Tchouaméni qui est déjà bien placé. On peut voir aussi sur cette image, les gars, qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 11 Irlandais, les gars, sont globalement dans leur surface de réparation à part 1. C'est une dinguerie. Ils sont tous là déjà à défendre. Et du coup, suite au centre de Dembélé qui a été repoussé par un Irlandais, Mbappé va astucieusement un petit peu s'avancer, décaler légèrement le ballon pour Tchouaméni. Et puis Tchouaméni va mettre une pêche. Il va mettre une pêche, les gars, il va mettre une frappe magnifique dans le petit filet. Le gardien irlandais ne peut pas faire grand chose et le ballon traverse littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs. C'est une dinguerie comment il est passé, comment il arrive au fond des buts. Voilà, super frappe de Tchouaméni qui a d'ailleurs fait un très bon match. Il a été actif, il a touché énormément de ballons. Défensivement, il a été irréprochable. Il a tenté quelques frappes souvent cadrées. Il a aussi récupéré beaucoup de ballons. Vraiment très très bon match de Tchouaméni que j'ai l'habitude de critiquer, surtout au Real, où il fait pas non plus des performances incroyables. Il est trop irrégulier à mon goût. Mais ce soir, contre l'Irlande, il a été très très fort. Ensuite, autre fait de jeu, blessure d'Olivier Giroud. Il a quitté le rassemblement des Bleus au moment où on se parle, mais apparemment, c'est pas trop grave. Donc ça devrait aller. Il a été touché à la cheville et apparemment, c'est une blessure quand même assez légère. Remplacé du coup par Marcus Thuram. Marcus Thuram qui lui a marqué un but, mais a réalisé pour moi un match moyen dans sa globalité. Assez tueur surtout devant le but, il a raté pas mal d'occasions, vous allez le voir. Là, occasion hyper intéressante pour l'équipe de France à la 38e minute. Les Bleus du coup mènent 1-0. 1-2, Tchouaméni, Hernandez qui remet à Tchouaméni. Et ensuite Tchouaméni qui fait une super passe, comme je vous le dis, vraiment il a fait un super match. Super passe pour Thuram, mais comme vous pouvez le voir avec la défense irlandaise devant lui, il est hors jeu, ce qui fait qu'il n'y aura pas but. Pourtant, collectivement, cette action était magnifique. Ça partait de Tchouaméni, 1-2 avec Hernandez, Tchouaméni qui envoie sur Thuram, Thuram qui met en arrière pour Mbappé. Et Mbappé ensuite, qui n'a juste qu'à aligner le gardien irlandais, ça rentre avec un petit peu de chance. Mais quelques secondes après le but, l'arbitre assistant lève son drapeau hors jeu. C'était Marcus Thuram, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, au départ de l'action qui était hors jeu. Sinon, c'était une très très belle action collective, comme on en a vu pas mal du côté de l'équipe de France. Même s'ils ont quand même affronté une équipe de l'Irlande qui était plus dans un bloc bas et qui était très difficile à percer. C'est surtout en deuxième mi-temps où les Bleus ont réussi à se créer beaucoup d'espace et à se créer forcément énormément d'occasions. D'ailleurs, quand on parle de seconde mi-temps, une action typique, Dembélé qui a le ballon, Dembélé qui va les provoquer, vous le connaissez. Pourtant, il y avait Théo Hernandez, les gars. Vous le voyez, Théo Hernandez, tout à gauche de cette image, qui est littéralement tout seul. Il y a un problème de couverture du défenseur latéral irlandais. Dembélé qui va les provoquer, quasiment en étant rentré aux abords de cette surface de réparation. Action, encore une fois, très très intelligente. Dembélé pour Griezmann qui laisse passer le ballon pour Mbappé. Comme on le voit, Théo Hernandez est toujours tout seul là-bas. Il n'y a aucun Irlandais qui l'a remarqué, c'est quand même une dinguerie. Donc là, certes, Griezmann va mettre Mbappé, Mbappé va pouvoir tirer au but. Mais je pense que cette vision de jeu de Dembélé, elle doit être augmentée. Il doit lever la tête. Il doit lever la tête plus souvent, voir que ses coéquipiers sont démarqués. Hernandez, il est littéralement tout seul. S'il lui fait une petite transversale, Hernandez, il fait un petit contrôle, il allume le gardien. Car les Irlandais sont beaucoup trop loin de lui pour intervenir. Après, je dis petite transversale, contrôle, le but. C'est facile à dire, plus difficile à faire. Et ça se termine ensuite par une frappe repoussée. Et quelques minutes plus tard, enfin, Théo Hernandez va être utilisé et tout de suite, ce sera beaucoup plus décisif. Griezmann qui, en première intention, va donner à Thuram. Griezmann qui va se déplacer comme sur le schéma, la petite flèche jaune. Thuram qui va lui remettre derrière. Griezmann qui va ensuite envoyer en profondeur Théo Hernandez, qui va ensuite pouvoir s'avancer un petit peu. Il a énormément d'espace, encore des gros problèmes dans la défense irlandaise. Je trouve que nos latéraux ont été efficaces offensivement, défensivement ça a été un peu plus compliqué, surtout pour Koundé. Mais Hernandez sur son côté Franchement, il a fait énormément d'accélération, énormément de centre, il a énormément donné. Qui nous donne au final cette action où Hernandez va centrer pour Mbappé. Je me pose encore une fois, maintenant la question, comment le centre a pu passer pour Mbappé? Il y a 1, 2, 3, potentiellement 4 Irlandais sur la trajectoire. Donc c'est quand même incroyable que le ballon soit passé. Mbappé qui va buter sur un Irlandais. Mais derrière, Marcus Thuram est là, bien placé. Pour mettre ce ballon au fond des filets, 2-0 pour les Bleus. Et là on arrive, enfin j'ai envie de dire, à une action pour l'Irlande. Le ballon est lancé en profondeur pour Idah. Idah qui a vraiment champ libre, parce que Koundé, les gars, il est 3 mètres en arrière. Je sais pas ce qu'il fout, mais en tout cas il est hors terre sur sa couverture. Hernandez est bien en train de couvrir Ogbene. Idah du coup lancé, qui a vraiment énormément d'espace devant lui, mais qui va pas faire le meilleur choix. Arrivé ici, selon moi, Idah aurait dû essayer de la centrer pour Ogbene, malgré qu'il était couvert par Théo Hernandez. Il y aurait eu possibilité pour Ogbene de récupérer le ballon. Au lieu de ça, Idah va aller s'enfermer, va essayer de provoquer, va pas réussir à passer. Et ça va donner cette situation où Idah est en 1 contre 5. 5 Français qui ont réussi à revenir dans la surface de réparation. Théo Hernandez toujours au marquage sur Ogbene, mais Idah va trouver une solution en arrière pour un Irlandais qui arrive et qui lui va délivrer un super centre pour Ogbene. Théo Hernandez est forcément fautif sur cette action, étant donné qu'il lâche un petit peu du regard Ogbene, ce qui va lui permettre à lui de frapper, mais il va buter forcément sur Mike Maignan. Super barré en première intention de Mike Maignan, on le verra mieux sur l'autre image. Voilà, un super barré. Depuis que Maignan a été installé en tant que titulaire en équipe de France, il est sur un perfect clean sheet à chaque match. Donc c'est quand même sacrément fort ce que réalise Mike Maignan. Il a encore fait un bon match ce soir, même s'il n'a pas été forcément très très inquiété par des Irlandais plutôt défensifs. Nouvelle action de l'équipe de France, 53e minute. Dembélé arrive en 1 contre 1 face à McLean. Il va l'éliminer tranquillement. Un McLean qui a pris vraiment très très cher, et pas que sur cette action, vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo, il y a une autre action où McLean encore une fois se fait casser les reins par Dembélé. Dembélé du coup qui va passer, qui va avoir de l'espace, on le voit mieux sur cette image, Dembélé qui élimine McLean, et ensuite c'est un quatuor, qui se forme, Dembélé, Griezmann, Mbappé, Théo Hernandez. Pourquoi? Parce que cette action elle va être formée magnifiquement. Dembélé va la donner à Mbappé, Mbappé qui va servir en arrière, Griezmann, qui va envoyer en profondeur Théo Hernandez, qui va s'avancer, qui va rentrer aux abords de la surface de réparation et qui va centrer pour Mbappé, qui va être magnifiquement placé devant les cages adverses, mais qui va malheureusement totalement rater ce ballon et rater sa frappe. Mbappé que j'ai trouvé quand même peut-être un ton en dessous, pas très adroit face au but, un petit peu maladroit, mais Mbappé aura quand même participé à de nombreuses occasions françaises qui ont été intéressantes côté offensif. 71e minute, l'équipe de France est encore sur une action offensive. Rabiot, Griezmann, Dembélé. Cette fois-ci, Dembélé qui a fait un match aussi très très intéressant, que ce soit dans la percussion, dans le dribble, dans les 1 contre 1, mais qui encore une fois a eu énormément de mal à la finition, on va le voir à la fin de cette action. Du coup, Rabiot a fait la passe à Griezmann, qui va la distribuer à Dembélé, qui est littéralement tout seul, qui va se faire plaisir, Griezmann qui va lui allonger un ballon, et ensuite vous connaissez la chanson, Dembélé qui va les provoquer, le fameux McLean, je vous en avais parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, qui est là, qui va à nouveau se faire éliminer par Dembélé. On peut d'ailleurs mieux voir sur cette image Dembélé qui va passer sur McLean tranquillement, mais derrière c'est le point faible de Dembélé qui va surgir, c'est ce mauvais réflexe qu'il a de ne pas lever la tête, de vouloir frapper en plus dans un angle fermé, lui qui se connaît par cœur, qui sait que sa finition n'est pas parfaite, loin de là. Donc en plus dans un angle fermé c'est très compliqué, il ne lève pas la tête, donc il ne centre pas, ni pour Mbappé qui est démarqué derrière, ni pour Théo Hernandez qui peut arriver, Tchouaméni aussi qui est assez proche, ou même Thuram. Non, il va tirer, et puis il va tirer sur le poteau malheureusement. On le voit mieux sur cette image, le poteau du coup qui sauve l'Irlande du 3-0. On peut dire manque de réalisme à la finition pour Dembélé, peut-être aussi pas assez passeur, il aurait peut-être dû lever la tête, lui donner, c'est peut-être ce que je lui reproche beaucoup, comme je le reproche beaucoup à Cherki aussi. C'est deux joueurs qui ont énormément de talent, une grosse palette technique, mais qui ont du bal à faire des passes. Je voulais aussi souligner, 85e minute, cette passe majestueuse de Griezmann pour Mbappé, trouvée dans l'intervalle. Mbappé, lui, qui décide de trouver Théo Hernandez En point d'appui, Théo Hernandez, Mbappé, je trouve qu'il y a une connexion vraiment qui marche très très bien entre ces deux-là. Un petit peu comme Griezmann, Giroud, on pouvait voir par le passé. Maintenant, on a Théo Hernandez, Mbappé. Je trouve que la connexion, elle marche parfaitement. Théo Hernandez, du coup, qui va pouvoir centrer en direction de Thuram et Koundé. Et là, encore une fois, Thuram, qui lui a réalisé un match plutôt moyen, va essayer de prendre ce ballon à Koundé qui était libre derrière, ce qui ne donnera au final rien. Le ballon va être perdu et c'est une action de gâchée pour les Bleus. Heureusement que le score était à leur avantage à ce moment-là. Et du coup, je vous ai parlé du gros raté de Thuram. Il est là, Théo Hernandez, encore une fois, lui qui balance énormément de centres, qui va balancer un centre sur Thuram. Et Thuram qui va manger la feuille de match, littéralement. Les gars, il est devant le but, il a mis une tête, il l'a mis à côté. Les gars, il a littéralement mis la tête à côté, il a fait une Kolasinac. Pour moi, rater une tête comme ça à 2 mètres du but, c'est une faute professionnel, c'est on doit résilier ton contrat carrément. Alors après, certes, il est encore jeune, vous me direz, il a encore le temps de s'aguerrir, mais c'est là qu'on voit qu'un Olivier Giroud, ça manque énormément, parce que Giroud, ça, il rate pas cette tête comme ça. Giroud, jamais il rate une tête comme ça. Giroud, jamais il aurait pris le ballon à Koundé sur l'action d'avant. Donc c'est plein de petites choses comme ça, assemblées, qui peuvent nous mettre en défaillance sur certains matchs. Bon, au final, tout va bien qui finit bien. Victoire 2-0 de l'équipe de France face à l'Irlande. L'équipe de France qui est du coup en tête de ce groupe de qualification pour l'Euro avec 15 points, suivi par les Pays-Bas 6 points, la Grèce 6 points et l'Irlande en grande difficulté avec seulement 3 points, et puis Gibraltar, on n'en parle même pas, c'est 4 matchs, 4 défaites, 0 points. Voilà, les gars, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve dès demain pour une nouvelle analyse sur une action vraiment que je kiffe avec un joueur que je kiffe. Prenez soin de vous, c'était BUGMAN, à plus.